Hi dear students, how are you? Welcome to your program VDL, La Voix du Lycée de Passy. Today you are with your coach, Mr. Ngom, and today's lesson is about the préterit. Donc la leçon d'aujourd'hui porte sur le préterit, aussi appelé simple past. Donc la leçon, c'est deux noms, soit vous dites préterit, soit vous dites simple past, ok? So both are correct, the préterit or the simple past. Now, in this lesson, we have two parts. The first part is the formation of the preterite, and the second part is the use of the preterite. Now, the first part, formation. Comment former le preterite d'abord, avant d'apprendre comment utiliser le preterite? Okay? So, in the preterite, you have to divide verbs into two parts. Donc, il faut diviser les verbes en deux parties, les verbes réguliers et les verbes irréguliers. So, you have regular verbs and irregular verbs. Now, we start with regular verbs. On va commencer par les verbes réguliers. Qu'est-ce qu'un verbe régulier en anglais? Irregular verbs are verbs ending in ed. Ce sont les verbes terminés par ed au passé. Au préterit, les verbes sont terminés par ed. Donc, tous les verbes qui sont irréguliers en anglais, au préterit, ils sont terminés par ed. Ok? Donc, qui se prononce de, te ou bien id. To live, lived, habiter. To like, liked, aimer, vouloir. To cook, cooked, cuisiner. To wait, waited, attendre. To hope, hoped, espérer. To hop, hopped, sauter à cloche-pied ou bien sautiller comme dans hip-hop. To look, looked, regarder. To love, loved, aimer, chérir. Ok? Maintenant, irregular verbs. Les verbes irréguliers, comme son nom l'indique, ce sont des verbes qui ont une terminaison irrégulière. Donc, et comme la terminaison est irrégulière, il faut apprendre les verbes irréguliers par cœur. So, they have an irregular ending. Il faut trouver la liste des verbes irréguliers. Si vous n'avez pas la liste, faites-moi signe, je vais vous envoyer la liste par WhatsApp, ok, si vous voulez. Donc, par exemple, to go, la terminaison ne sera pas ed, parce que le verbe est irrégulier. Donc, c'est à vous de prendre ça par cœur. To go, le préterit, c'est went. Ok, to sleep. Sleep, to go, ça veut dire aller, partir. To sleep, dormir, slept. To drink, boire, drunk, avec un A. Ok, to be, être, c'est was ou bien were. Tout dépend de la personne. Si c'est le pluriel, on dira was. Si c'est le singulier, on dira was régulièrement. To come, venir, came. Le préterit de come, c'est came. Donc, vous voyez, les verbes irréguliers, la terminaison est irrégulière, donc à apprendre par cœur. You have to learn the irregular verbs by rote. Ok? Par cœur, ou by heart. Donc, voici un exemple de liste de verbes irréguliers. Ça se passe comme ça souvent. Les verbes irréguliers, souvent, il y a trois colonnes. Il y a trois colonnes, parfois quatre colonnes. Une colonne infinitif, une colonne préterite, une colonne participe-passé et parfois une colonne traduction française. Ok? Ici, on a trois colonnes, verbes irréguliers. To arise, arose, arisen. To awake, awoke, awoken. To be, was, or were, been. To be, bent, bent. To bleed, bled. To blow, blew, blown. To cast. To catch, caught. To come, came. To deal, dealt. To do, did, done. Et ici, j'ai mis la deuxième colonne en rouge parce que c'est la colonne qui nous intéresse, c'est le préterit. Donc aujourd'hui, on n'est pas intéressé par le passé, on est intéressé par le préterit, c'est pourquoi je l'ai mis en rouge. Donc, l'autre nom que to arise, son préterit c'est arose. To awake, son préterit c'est awoke. To bend, son préterit c'est bend. To bleed, qui veut dire saigner, son préterit c'est bled. To blow, souffler, son préterit c'est blue. To cast, jeter, lancer, son préterit c'est cast. Donc, à apprendre par cœur. Ok? Exercise. Put the verb between parentheses in the right tense. Mettez les verbes entre parenthèses, ok, au préterit. Ok? In the préterit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Amy to come last month. Amy est venue le mois passé. Donc, mettez le verbe au préterit. I to catch a cold 3 weeks ago. J'ai attrapé un rhume il y a de cela 3 semaines. My mother to cook chicken yesterday. Ma maman a préparé du poulet, a cuisiné du poulet hier. Obama to live in the White House. Obama habiter dans la Maison Blanche. Comment traduire ça en anglais? We to do that lesson last Friday. Nous avons fait cette leçon le vendredi passé. Donc, nous allons tout de suite appuyer sur le bouton pause et
faites l'exercice, ensuite appuyez sur le bouton play pour voir la correction. So this is the key. Amy to come last month, ça devient Amy came last month. Number two, I to catch a cold 3 weeks ago, I caught a cold 3 weeks ago. My mother to cook chicken yesterday, my mother cooked chicken yesterday. Obama to live in the White House, Obama lived in the White House. We to do that lesson last Friday, we did that lesson last Friday. So this is the answer of the exercise number one. Now let us move. Now, nous avons vu la formation, et toujours dans la formation, nous allons voir les formes, c'est-à-dire la forme négative et la forme interrogative, parce que nous avons déjà vu la forme affirmative dans la foulée. So we have already dealt with affirmative form. Now we are going to deal with negative form, then we will deal with interrogative form. Okay, now negative form, the negative form of the preterite. First of all, negative form of auxiliaries. Nous allons voir d'abord la forme négative des auxiliaires. Les auxiliaires, comment est-ce qu'on forme la négation des auxiliaires? Donc, l'auxiliaire de base, be, have et do. Ok, l'auxiliaire de base, be, have et do, être, avoir, faire. Donc, was, not. Donc, l'auxiliaire est seulement suivi de not. Ok, c'est simple. To be was not, were not, to have had not, to do did not, partout. Donc c'est simple, ok? Donc j'ai mis l'auxiliaire do en rouge parce qu'on en a besoin pour conjuguer les verbes ordinaires. Parce qu'il y a deux types de verbes en anglais, il y a les auxiliaires et les verbes ordinaires qu'on appelle ordinary verbs, full verbs, lexical verbs, main verbs, tout ce que vous voulez, ok? So now, ordinary verbs. Qu'est-ce qu'un verbe ordinaire? Tous les verbes qui ne sont pas auxiliaires sont des verbes ordinaires, ok? Ils sont formés comme à la forme négative, comme vous voyez ici. Subject did not plus base form. Donc il faut le sujet plus did not plus la forme de base. C'est quoi la forme de base du verbe? C'est l'infinitif sans tout. To play, la forme de base c'est play. To go, la forme de base c'est go. To eat, la forme de base c'est eat. Donc on dira I did not play, you did not play, he did not play, she did not play, it did not play, we did not play, you did not play, they did not play. I did not go, you did not go. I did not eat, you did not eat. They did not come, we did not understand. Donc c'est comme ça qu'on forme. Donc did not aussi peut être contracté en didn't. Donc did not, on peut dire did not ou bien didn't. Le O est remplacé par un apostrophe et vous avez didn't en un seul mot. Ok? Exemple, I did not see my book. J'ai pas vu mon livre. They didn't open their books. Ils n'ont pas ouvert leur livre. Didn't. Ou bien did not, si vous voulez. Aida did not wash her hands. Aida n'a pas lavé ses mains. The students did not come. Les élèves ne sont pas venus. N'étaient pas venus. Ok, didn't come. Yes, we did not go to the beach. On n'a pas été à la plage. Ok, nous ne sommes pas allés à la plage. Donc, vous avez la possibilité de mettre didn't ou bien did not. Now, interrogative form. Interrogative form also, nous allons voir d'abord les auxiliaires. Let us first see auxiliaries, how are they formed. So here you have auxiliary be, have and do. Vous avez was, comme en français, ok? Je suis, suis-je, ok? Ai-je, tu as-tu, nous avons-nous. Donc c'est l'inversion auxiliaire-sujet. Was I, was you, was they, were we. Had I, had you, had she, had we, had they. Did I, did you. Et là aussi j'ai mis do en couleur, en rouge, pour montrer qu'on en aura besoin aussi pour mettre les verbes ordinaires à la forme interrogative. So to put the ordinary verbs in an interrogative form, we need to do. Ok? Et là, c'est une petite erreur. Là c'est pas la bonne formule pour le. Donc, excusez-moi, ici, ce n'est pas la bonne formule pour la forme interrogative. Ça, c'est la forme négative. I'm sorry. Donc, ici, c'est une petite erreur. Excusez-nous. Donc, did I play? Did you play? Did he play? Did I go? Did you go? Did they open? Did they understand? Did they cook? Did they see you? Did they, etc., etc., etc. So, did plus base form. Donc, did you see my book? As-tu vu mon livre? Ok. Did they open their book? Est-ce qu'ils ont ouvert le livre? Did Aida wash her hands? Est-ce que Aida a lavé ses mains? Aida a lavé ses mains? Did the students come? Les élèves sont-ils venus? Est-ce qu'ils sont venus? Les élèves sont venus. C'est dans le passé aussi. Hein? Did the boys go to the beach? Est-ce que les garçons sont allés à la plage? C'est comme ça qu'on forme la forme interrogative des verbes ordinaires, ok, in English. Exercise 2.
Put the following sentence in the préterite in the given forms. Donc, mettez les phrases suivantes au préterite au temps proposé. First, my wife to live in Dakar in 2018. Ma femme habitait à Dakar en 2018. La forme affirmative, négative, interrogative. And number two, they to go to the library yesterday morning. Ils ont été à la bibliothèque hier matin. Ici, library, c'est bibliothèque. Aux trois formes affirmative, négative, interrogative. Anna to be at Lamingay High School. Anna était au lycée Lamingay dans le passé. Donc ici aussi, il y a at Lamingay High School. Donc appuyez sur le bouton pause, faites l'exercice, ensuite revenez, on va voir la correction ensemble. Ok, donc nous y voilà. My wife to live in Dakar in 2018. My wife lived in Dakar in 2018. My wife did not live in Dakar in 2018. Did my wife live in Dakar in 2018? Number two, the students to go to the library yesterday morning. The students went to the library yesterday morning. The student did not go to the library yesterday morning. Did the student go to the library yesterday morning? Et n'oubliez pas le point d'interrogation pour la forme interrogative. Okay? It's very important. Anna to be at Lamingay High School. Anna était au lycée Lamingay dans le passé. Anna was not at Lamingay High School. Was Anna at Lamingay High School? Donc voici la réponse. J'espère que vous avez tout trouvé. Ok? Yes. Now use. On a vu comment former le préterite ou le simple past. On va voir maintenant dans quelle situation, pour quelle action est-ce qu'on va utiliser le préterite. Est-ce que l'action du futur, du présent ou bien du passé et de quel passé aussi? So we are going to see how to use. This is part two. Now, use one. Il y a plusieurs utilisations. Number one, first to use it is for actions that happened in the past and that are finished, the moment of the action is often specified or precise. Donc, le préterite est utilisé pour l'action qui a eu lieu dans le passé et qui est finie. Et souvent, le moment est précisé. Je répète, le préterite ou bien simple past est utilisé pour l'action qui a eu lieu dans le passé, qui est finie et souvent, le moment est précisé. Example, I visited Goree Island in 2008. Donc, j'ai visité l'île de Goree en 2008. She called me 2 minutes ago. Il m'a appelé il y a de cela 2 minutes. Ok, là aussi l'action a eu lieu dans le passé. L'action est finie, le moment est précisé. The police arrested the thieves last week. La police a arrêté les voleurs la semaine passée. La semaine dernière, si vous voulez. Adama drank 5 cups of coffee this morning. Adama a bu 5 tasses de café ce matin. Et je rappelle ce matin. Si nous sommes toujours dans le matin, ce n'est pas le passé. Mais si nous sommes dans l'après-midi, le matin est considéré comme le passé. Donc, supposons que nous sommes dans l'après-midi. Le matin, c'est le passé. In the past. Number 5. My computer crashed when I tried to send an email. Donc, mon ordinateur est tombé en panne au moment où j'envoyais un mail. Ça, ok, c'est aussi le passé. Now, deuxième utilisation, use number two. The simple past also is used for narration when you relate a series of past actions. Donc, la narration, c'est lorsque vous relatez, vous racontez une série d'actions. Une série d'actions, ça veut dire plusieurs actions. Une, deux, trois, ok. Il s'est levé de bon matin, il a pris son bain, son petit déjeuner, il a prié, il a salué ses parents et il est parti à l'école. Il y a plusieurs actions dans cette phrase. Seynabou got up at 6 o'clock, took her bath, prayed, drank some milk and went to school before 7 o'clock. Seynabou s'est levé à 6 heures du matin, il a pris son bain, elle s'est lavée, elle a prié, ok, elle a bu du lait, ensuite elle est partie à l'école avant 7h. Ça, c'est plusieurs actions dans le passé, une narration au préterite. The new teacher entered the classroom, put his bag on his desk, said good morning and started the lesson. Le nouveau professeur entre dans la classe, mis son sac sur son bureau, dit bonjour et commence la leçon. Là aussi, on est au passé et c'est le préterite. Le préfet aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le time markers ou bien les keywords. Il y a des mots qui peuvent nous guider pour montrer que c'est le passé. C'est, parmi ces mots-là, on a quoi? Yesterday qui veut dire hier. Dès qu'on dit hier, c'est le passé. Yesterday, last week, last Monday, last year, la semaine passée, dimanche passé, mardi passé, l'année passée, magal passé, Pentecôte
passé, les fêtes de Pâques, dernier, etc. Donc, le passé, là, ça veut dire dernier. When I was a child, lorsque j'étais enfant, lorsque j'habitais à Dakar, lorsque j'étais à Foundiougne, lorsque j'étais étudiant, donc tout ça, c'est les time markers qui montrent un moment du passé. En 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Là aussi, c'est le passé. C'est une date en 2015, en 2019, en 1845, en 1920, tout ce que vous voulez. So, a date. Ago, qui veut dire, ago veut dire il y a de cela. Il y a cela 5 jours, 5 days ago. Il y a cela une semaine, 1 week ago. Il y a cela un mois, a month ago. Donc, si vous voyez month régulièrement, c'est le prétérit parce que l'action du passé, le mois précédent. Le prétérit aussi est utilisé pour les classes. Pour les classes qui sont un peu en avance, advanced classes, les classes de seconde, première, terminale, et pas sixième, cinquième, it's high time. Et ici, high time, il n'y a pas de T, s'il vous plaît, excusez-moi, il n'y a pas de T ici, I'm sorry, there is no T. It's high time plus subject plus prêtre. Donc, dès que vous voyez l'expression, it's high time, suivi d'un sujet, mettez le prêtre. It's high time you stopped smoking. It's high time we went home. It's high time. We started the meeting. Donc, it's high time plus sujet. Subject would rather, subject prêtre. Donc, would rather avec deux sujets prêtre. My mother would rather I did not go out. My father would rather I went to Chianti Diop University. Conditional, the second conditional, if clause type 2. If they invited me, I would not go. Donc, le prêtre utilisé pour ces temps-là. Okay, exercise 2. Put the verb between parentheses in the right. In the préterite, donc mettez les verbes entre parenthèses au préterite. Voici l'exercice. Last Saturday, my father to take my friends and me to the circus. We to see lots of things. My father to buy us some popcorn and orange juice. We to eat the popcorn and drink the orange juice. We laugh at the funny clowns. There to be a lion tamer. The lion do tricks. They jump through hoops. A girl to ride an elephant around the ring. We all have a wonderful time. Mettez les verbes entre parenthèses qui sont en rouge au prétérit. Et s'il vous plaît, si vous pouvez m'envoyer la réponse, vous m'envoyez. Ou bien, voyez avec votre professeur, avec votre grand frère, il va corriger pour vous. So, it is the end of the lesson. Thank you for watching and stay at home. Bye bye.